éclairé qui eh bien à cause fantôme fait des blousailles li fait ayea nan aéroport international Toussaint Louverture. Tes fantômes tes sous. Fantôme t'es sous. Nous commençons le concert pour nous. C'est Tafia qui fait fantôme avec yon frèl. Eh bien, fait des blousailles hier dans l'aéroport international Toussaint Louverture dans le cadre de voyage que monsieur t'a fait hier pour aller en République Dominicaine. Fantôme qui lui-même nous connaissait rappeur, monsieur fait partie barricade. Mais depuis quelque temps là, viré tourner le nouveau scandale la police, soit en Haïti ou bien en République Dominicaine côté policier. Gagne une source policière qui partageait des informations importantes et que nous-mêmes nous mettons au courant de ça pour capable connaître qui ça vraiment qui t'est passé hier dans l'aéroport qui fait fantôme lui-même. Bien monsieur il prend et bien plusieurs patasouel là la police fouqué monsieur il était metté l'autre côté et puis après il va libérer. Donc qui ça lié c'est que d'après sa source policière l'a rapporté et bien monsieur était sous monsieur était en bas grogli. Il était sous en pile et il t'a fait des ordres dans côté il était dans l'aéroport là et fantôme était sous lui avec tout un frère monsieur t'a parlé en République Dominicaine nous connaissait hier samedi a ça passé et bien monsieur avec tout un frère il t'a parlé en République Dominicaine mais monsieur était gain gog dans tête yo hein il était gain gog dans tête yo et bien le fait que monsieur arrivé sous compagnie aérienne qui t'a parlé a dit yo pas porter voyageur qui sous nan avion. Yo di yo pa pote voyager ki sou nan avion, sak passé, fantôme fâché, fantôme nervé, fantôme tombé 10 bêtises nan aéroport lan jusqu'à ce que monsieur frappé li bayon employé en bourade. C'est ça la question. Monsieur bayon employé en bourade pendant y a parlé avec parce que c'est clair que t'a joué, c'est pas vraiment fantôme qui était là. Donc c'est normal et ligne aérienne nan gen principe li, li dit pa pote moun ki sou. Eh bien, le fait qu'elle n'est pas pour le monde qui sou, fantôme, passé employé à embourade, li bourade employé ça. Donc, c'est comme ça, dossier à lui-même, li commencé dans l'aéroport, côté que la police pral mettre pied. Eh bien, les déblos a répété fantôme a dit bêtise, la poussé employé, la baye problème. Eh bien, la police mette pied. Donc, on est gagné, policiers dans zone ça et bien eux-mêmes yo mettez pied dans question après un bon temps et monsieur passé dans commissariat airport là nous connaît gagne commissariat airport là j'en saute tout ça après un bon temps monsieur passé en dedans et bien avocat fantôme vini avocat monsieur vini avec tout l'autre monde qui est avec lui yo présenté excuse pour ça passé là et puis la police libéré monsieur. Donc c'est comme ça. Mais t'as semblé lorsque la police prend fantôme nan, monsieur prend quelque yo, monsieur, et donc on connaît la fait gros nèg et même si information en li voit aller, mais nous-mêmes nous en mesure pour nous tout ça, eh bien noté passé monsieur quelque tabok avocat au vini et avocat monsieur vini, yo mande excuse avec tout le monde qui était proche monsieur, yo mande excuse et puis la police libéré et fantôme. Et pour qu'on y a faut nous dire que fantôme pas de faire voyage là encore, fantôme trouvé le Port-au-Prince. Fantôme la Kaili, fantôme trouvé le Port-au-Prince, j'ai pas fait voyage là encore. Monsieur pas de chance pour le et continuer pour le aller en République Dominicaine. Maintenant la leçon à apprendre dans tout ça c'est que même si on monde ou connaît que ou gagne un statut social, faut pas camper derrière ça pour avoir un problème. C'est ça la question. Donc on monte tant que fantôme, il pas doit descendre dans niveau ça aujourd'hui a. Qui gagne par exemple pas le monde qui dit remel, les fanatiques qui sit quoi à l'étranger. Donc son nèg qui fait nol dans mouvement rap créole en Haïti etc. Donc ou pas arriver dans situation côté que pour eh bien à bail problème jusqu'à ce que pour la police arrêté ou et donc on est gagné en période qui était passé là il était arrêté monsieur dans République Dominicaine après ça a libéré bon bonne caisse causé et tête pas droite bagaille crémol eh bien donc fantôme là c'est ça dossier fantôme qui lui même t'a bail problème t'a bouleversé monde t'a eh bien et bat colle
dans l'aéroport là hier parce que monsieur était sous pendant le passé domingue. Eh bien la police c'était meilleur prend monsieur là meilleur mettez l'autre côté après moun ni avocat proche li vienne chercher avec un peu l'excuse et c'est ça la question dont il s'agissait hier à l'aéroport international de Saint-Louverture qui fait que fantôme te joint arrestation donc la police qui lui-même on sous policier là qui était porté éclaircissement sous sac passé hier dans l'aéroport international pays d'Haïti côté fantôme lui-même dans bat col et bien monsieur prend quelques tabac et kounya li pat aller en République dominicaine encore par rapport avec sale te fait mesdames et messieurs. C'est clairin qui eh bien à cause fantôme fait déblosay li fait hier ya nan aéroport international Toussaint Louverture. Te fantôme te sou. Fantôme te sou. Nous commencer le konsa pou di c'est Tafia qui fait fantôme avec yon frèl eh bien fait déblosay hier nan aéroport international Toussaint Louverture. Dans le cadre donc voyage que monsieur t'a fait hier pour t'aller en République dominicaine fantôme qui lui-même nous connaissait rappeur monsieur fait partie barricade coup mais depuis quelque temps là viré tourner le nos scandale la police soit en Haïti ou bien en République dominicaine côté policier gen yon source policière qui partage des informations importantes et que nous même n'a meto au courant de ça pour capable connait qui ça vraiment qui t'est passé hier dans aéroport là qui fait fantôme lui-même bien monsieur li prend et bien plusieurs patasouel là la police fouqué monsieur yo te mette l'on côté et puis après il va libérer donc qui ça lié c'est que d'après sa source policière la rapporté et bien monsieur était sous monsieur en bas grogli était sous en pile et il t'a fait des ordres dans côté le terrain dans l'aéroport et fantôme t'est sous lui avec tout un frère monsieur t'a pralé en République dominicaine nous connaissait hier samedi a ça passé et bien monsieur avec tout un frère yo t'a pralé en République dominicaine mais monsieur t'a gen gwog dans tête yo hein yo t'a gen gwog dans tête yo et bien le fait que monsieur arrivé sous compagnie aérienne qui t'a pralé a dit yo pas porter voyager qui sous nan avion. Yo di yo pa pote voyager ki sou nan avion, sak passé, fantôme fâché, fantôme nervé, fantôme tombé 10 bêtises nan aéroport là jusqu'à ce que monsieur frappé li bay yon employé bourade. C'est ça la question. Monsieur bay yon employé bourade pendant y a parlé avec parce que c'est clair que t'a joué, c'est pas vraiment fantôme qui était là. Donc c'est normal et ligne aérienne nan gen principe li, li dit le pa pote moun ki sou. Eh bien, le fait qu'elle n'est pas pour le monde qui sous, fantôme, passé employé à on bourade, li bourade employé ça. Donc, c'est comme ça, dossier à lui-même, li commencé dans l'aéroport, côté que la police pral met pied. Eh bien, les déblosa répété fantôme a dit bêtises, la poussé employé, la baye problème. Eh bien, la police mette pied. Donc, on est gagné, policiers dans zone ça et bien eux-mêmes yo mette pied dans question après un bon temps et monsieur passé dans commissariat aéroport là nous on est gagné commissariat aéroport là j'en saute tout ça après un bon temps monsieur passé en dedans et bien avocat fantôme vini avocat monsieur vini avec tout l'autre monde qui est avec lui yo présenté excuse pour ça passé là et puis la police libéré monsieur donc c'est comme